changer le monde, je pense qu'on ne peut le faire que chacun, là où il est. Je crois qu'effectivement, chacun doit agir là où il sait le mieux agir. Et puis à un moment donné, ben, ça forcément, ça fera quelque chose. J'ai décidé beaucoup de choses sur le parcours du développement durable. J'ai testé beaucoup d'initiatives pour que justement les idées passent. Exploratrice pour comprendre toujours ce qui était nouveau, ce qui m'échappait, pour comprendre le monde, quitter les lieux dans lesquels j'avais l'habitude de vivre pour pouvoir m'éloigner et découvrir d'autres choses, pour frotter ma tête et mes questions à la tête et aux questions des autres, pour découvrir notre petitesse alors qu'on se croit réellement en Europe et aux États-Unis les maîtres du monde, découvrir comment on est tout petit et comment on va disparaître de la carte du monde, voilà, tout cela. Pour comprendre mais redonner aussi, parce que j'ai en permanence, c'était pas comprendre pour moi, parce que j'ai pas acquis pour le garder. Immédiatement, c'était pour le redonner et pour cheminer. Donc j'ai cheminé avec les gens qui m'accompagnaient et que j'accompagnais. Alors mon initiative positive, c'est vraiment de transmettre. Transmettre de quelle façon ? Ben, transmettre, j'ai été prof d'abord, donc transmission classique, puis ensuite, découvrant le journalisme, une transmission un peu abstraite, solitaire aussi, parce qu'on est quand même solitaire quand on est en presse écrite notamment. Et puis ensuite, après, avec la télévision par exemple, se heurter aux équipes, aux différences, à la complexité et transmettre collectivement, c'était pas simple non plus, se battre contre les modes de la transmission, et ça c'était fondamental. J'ai vécu par exemple la mode du positif et des petits gestes qu'il fallait dépasser parce que tout cela ne mène pas très loin, mais c'est encore enkysté dans énormément de rédactions. Donc voilà, à chaque fois, réapprendre à poser les questions. Les idées quand même que j'ai développées et qui ont avancé. Bien sûr, moi je trouve quand je les regarde que ça n'a pas avancé assez vite et j'ai l'impression que de n'avoir servi à rien parfois. Mais en fait, quand je reviens sur les textes ou quand je reviens sur un certain nombre d'œuvres que j'ai oublié même d'avoir faites, hein, mais que je retrouve mes documentaires, etc., je me dis c'était pas mal. Alors, souvent, ils ont été faits un peu trop tôt. Ils ont été faits un peu trop tôt pour que les gens les perçoivent. Je m'aperçois que c'est maintenant que les gens perçoivent les choses. D'avoir réussi à monter ce magazine du développement durable et de l'avoir conservé pendant 10 ans, ce qui n'est pas rien, d'avoir testé un peu tous les médias, écrit, audiovisuel, radio, d'avoir compris les systèmes du pouvoir en les approchant d'assez près, et puis d'être à Montpellier maintenant, voilà. Être engagé, ça veut dire ne pas céder au pouvoir, hein, ça veut dire ne pas céder aux promesses, hein, ne pas céder à tout ce que les... Enfin, à la naïveté, justement, à la naïveté du monde. Alors, le plus difficile, je crois, c'est qu'au bout d'un long moment, on commence à savoir quand même beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment handicapant, d'une certaine manière, parce qu'on perd de la naïveté, parce qu'on perd de la capacité à la curiosité aussi. Et puis, peut-être que, on vieillit quand même. Donc, il faut faire attention de ne pas rassir. Voilà. Toujours continuer à poser la question, toujours s'engager, ça veut dire qu'il faut en permanence se remettre en question. J'ai été militante, activiste, je crois que j'ai un peu essayé toutes les méthodes pour faire passer les idées. J'ai fait de la politique aussi à un moment donné, hein, j'en suis sortie. Moi j'avais un père qui était extrêmement proche de la nature, donc je travaillais avec lui
On remuait le ciel et la terre pour des jardins, pour construire, pour planter des arbres, etc. Et ensuite, après, j'ai milité, notamment dans le mouvement antinucléaire. Et là, j'ai pris des coups. Et forcément, ça m'a révoltée. Et forcément, j'ai appris ce qu'était l'injustice. Et ça, ça a été très fort dans mon engagement. En mai 68, puisque j'étais en mai 68, c'est d'avoir fait une manifestation pour avoir le droit d'avoir le copain dans la cité universitaire et d'aller à une manifestation non violente, s'asseoir et prendre des coups de crosse des mobiles. Et ça, ça a été quelque chose de très nouveau. J'avais pas appris ça quand j'étais petite. Aujourd'hui, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est retravailler avec des gens qui ont des projets audiovisuels et retravailler dans de l'intergénérationnel. Parce que je crois qu'il y a une espèce, dans cette jeunesse qui est en train de vivre un basculement, il y a à la fois cette curiosité, mais il manque parfois peut-être un peu de simplicité à vouloir regarder un petit peu en arrière ou à vouloir regarder les autres. Aujourd'hui, ça bascule. J'adore les moments où ça bascule. Je ne regrette pas du tout de vivre cette période. Mais il faut beaucoup écouter et beaucoup amasser. Thank you.